On va étudier un peu donc la pièce Broken. Je l'ai faite en fait sans le. J'écris la tablature, mais sans le capo. Et donc on va le jouer à la dixième position. Vous allez voir après. Mais si vous voulez donc jouer avec le capo, comme le disque, à ce moment-là, simplement il faudra déplacer tout d'une case. Après vous allez voir, je vais vous montrer. Je vous conseille de télécharger la tablature que j'ai faite. Et aussi, il y a une feuille où j'explique des sections. Parce que comme ça, j'ai fait en fait juste une feuille. Comme ça, c'est plus simple d'avoir 10 feuilles. Et j'ai appelé certaines sections A, B, C. Et comme ça, c'était plus facile après à le travailler. Je n'ai pas fait les doigts de la main droite. Donc, je vous conseille aussi de d'écrire chaque fois que je dis les doigtés de la main droite sur la tablature. Voilà, j'espère que vous allez bien travailler. À bientôt, au revoir. On va donc apprendre sans le capo. Et donc la première position, ça va être le troisième doigt à la dixième case de la corde 5. Maintenant, si je mets un capo, ok, donc j'ai, après on va voir exactement ça, mais je joue donc comme ça. Mais naturellement, si je mets un capo, après à la case 1, je vais tout déplacer d'une case. Et donc en mettant le capo, à la case 1, je joue maintenant à la dixième case aussi après le capot, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais je me retrouve comme, disons, à la onzième case de la guitare. Et donc c'est... Okay? Mais je préfère donc l'apprendre sans le capot au départ, comme ça quand je dis la case 10, c'est vraiment la case 10, et puis aussi peut-être beaucoup de gens n'ont pas le capot en ce moment, ok? Donc après, ça sera simplement de déplacer tout d'une case. Donc je commence et j'ai le troisième doigt, donc à la case 10, le deuxième à la case 9, et après le premier doigt à la deuxième corde, la case 8. Et donc j'ai cette position. Maintenant, ce qui est important, ça va être la main droite, d'accord? Parce que je vais jouer en général avec le pouce, l'index, le majeur, PIM. Et on va jouer aussi avec A, l'annulaire, à un moment donné. Donc la section A maintenant, okay, puisqu'on a divisé par trois sections, le A, le B et le C. Donc on a la section A. Et donc je commence, j'ai cette position et je fais pouce IM. Donc pouce sur la cinquième, I sur la quatrième, M sur la troisième. Donc c'est... Ensuite, je rejoue le pouce avec la cinquième. Et là, j'ai M sur la deuxième corde, I sur la troisième corde, pouce sur la quatrième corde et M sur la première corde. Je joue et ça fait pouce I. Ça, je le fais deux fois. Sauf que la dernière note, vous avez remarqué, je ne joue pas la première corde, mais je joue la deuxième. D'accord? Donc la première fois, j'ai fait première corde avec M. La deuxième, je fais deuxième corde avec M. Maintenant, je déplace le troisième doigt et je vais le mettre la case avant. Donc j'ai le choix, soit je fais ça, et donc j'ai mis le troisième doigt la case avant, ou alors je peux toujours faire 2-3 comme ça revient à la même chose, hein, ça dépend ce que vous préférez. Okay? Je pense que lui, j'ai vu une vidéo, il faisait comme ça. Okay? Mais l'autre technique n'est pas mauvaise non plus. Et donc il y a, supposons on le met comme ça. Là, vous avez exactement le même type de doigté. Donc, je suis donc à cette position, le troisième doigt se retrouve ici, et j'ai pouce IM, pouce sur la cinquième, I, quatrième, M, troisième. Okay, juste pour être sûr, hein, quand je dis les cordes, ça c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième corde. Okay? Donc, je recommence. Pouce IM, pouce IM, je pousse sur la cinquième. Maintenant, M, deuxième corde,
I troisième, pouce quatrième, M première. Je joue ça donc. C'est donc pouce I, M, pouce M, I, pouce M. Donc de la mesure d'avant, en fait, je faisais comme ça. Et maintenant, je mets simplement le doigt. Mais là, je joue la première corde à vide. Je fais ça deux fois. Donc, pouce, I, M, pouce, M, I, pouce, M, pouce, I, M, pouce, M, I, pouce, M. Il y a parfois, en fait, dans la chanson, ce qu'il fait, c'est au lieu de jouer la deuxième fois exactement la même chose, et ça, on peut le faire, nous, c'est de faire comme ça, c'est-à-dire... Et maintenant, il va enlever les doigts et va jouer I, pouce, M, à vide. D'accord ? Donc ça fait pouce. Ça, c'est la deuxième fois donc, de cette forme ici. Et donc c'est pouce, I, M, pouce, M, I, pouce, M. Donc ça fait pouce, I, M, pouce, M sur la deuxième. I, la corde à vide troisième, pouce, la corde à vide quatrième, M, la corde à vide première. Mais je garde le premier doigt parce que j'en ai besoin après. Ensuite, je place le troisième, le quatrième et le deuxième. Donc le troisième à la corde 5, case 10, quatrième, corde 4, case 10, deuxième, corde 3, case 9 et toujours le premier, corde 2, case 8. Le doigté est le même. Pouce, I, M. Ok, donc pouce, I, M. Mais maintenant, il y a une petite différence, c'est que je joue pouce, I, M comme avant, pouce sur la cinquième, I sur la quatrième, M sur la troisième, mais là, je joue le pouce sur la quatrième, M sur la deuxième, I sur la troisième, pouce sur la quatrième et M sur la première. Je vous conseille d'écrire sur la tablature, d'accord ? Écrivez pouce, I, M et toutes les... Comme ça, après, quand vous pratiquez, c'est beaucoup plus facile. Et donc, ça fait pouce, I, M, pouce, M, I, pouce, M. Pouce, I, M, pouce, M, I, pouce, M. D'accord ? La deuxième fois, parce qu'on joue ça deux fois, on fait la même chose au début. Pouce, I, M, pouce, M, I. Mais là, j'ai deux cordes à vide. La quatrième, maintenant, elle est à vide. Et la première est à vide. Avec le pouce, donc, et la première avec M. Je vais jouer les deux maintenant. Là, je passe à cette formule ici où je mets le troisième doigt sur la dixième case de la corde 6. J'ai toujours le premier à la case 8 de la deuxième corde. Et là maintenant, je pose le deuxième doigt sur la corde 5 à la case 9. Et donc, c'est comme ça. Et là, je joue pouce sur la dixième, donc la sixième corde, I sur la 4. Donc, c'est deux notes qui sont les mêmes en fait. D'accord ? Une sur la sixième et après une à vide avec I. M sur la troisième, pouce sur la cinquième, M sur la deuxième, I troisième, pouce quatrième et M à la huitième. Donc ça fait pouce I M pouce. Ça, c'est deux fois exactement la même chose. Je vais jouer toute la section lentement, la section A.
cette chose donc, que j'ai appelée A, on va dire, parce que je n'avais pas envie de faire une tablature avec 10 pages. Donc A, on va le répéter 4 fois. Donc tout ce que je viens de jouer, c'est 4 fois. Ensuite, on passe à B. Maintenant, B, on a le troisième doigt à la troisième case. Alors, on se rappelle que si j'ai le capot, ben, à ce moment-là, ça sera la quatrième, puisque le capot sera première. Et là, j'ai seulement le troisième doigt. Ensuite, je joue toujours avec pouce sixième. Pouce sixième. I quatrième. M deuxième. Troisième, pardon. Donc, ça fait... Ensuite, le pouce descend à la quatrième. M à la deuxième. I à la troisième. Pouce à la quatrième. M à la deuxième. Et donc... Encore. Je refais ça. La seule différence maintenant, ça va être que je vais poser à un moment donné mon deuxième doigt. Regardez, je refais ça. Pouce, I, M, pouce, M, I. Mais là, le pouce, au lieu de jouer sur la quatrième comme avant, il va jouer sur la sixième et je pose le deuxième doigt. Et là, je joue M toujours à la corde à vide. Donc, je rejoue cette mesure. Je joue les deux mesures de la partie B. Maintenant, on passe.